C'est beau l'amour. J'adore photographier des gens qui s'aiment et qui ont envie de passer leur vie ensemble. Et aujourd'hui, je vous montre mes meilleures photos de mariage de 2020. Voilà pour quelques-unes de mes photos préférées que j'ai prises pendant des mariages en 2020. Bon, bien sûr, j'ai pas le droit de tout vous montrer, donc il y a certaines photos que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo. Les mariés ont droit à leur vie privée, bien entendu. J'ai essayé de mettre les photos dans un ordre pseudo-chronologique pour une journée classique de mariage, pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu. 2020, c'était une super année pour le mariage. Alors, je sais que tout le monde, tous les photographes n'ont pas eu cette chance, tous les mariés n'ont pas eu cette chance. Moi, il se trouve que j'ai réussi à pas mal bosser en 2020, parce que il y a eu pile 3 mois, juillet, août, septembre, où j'avais beaucoup de mariages et où il n'y avait pas de restrictions
particulière, donc j'ai fait plein de mariages en faisant bien attention avec un masque et tout ça, mais les mariages ont pu avoir lieu, donc je m'en suis pas trop mal tiré niveau chiffre d'affaires pour 2020. Mais le chiffre d'affaires c'est pas tout, en 2020 c'est aussi une année où j'ai vraiment l'impression d'avoir affirmé mon style, mis un peu plus encore ma patte dans mes photos, fait encore plus des photos qui me ressemblaient et qui plaisaient beaucoup aux mariés parce que j'ai vraiment eu que des retours hyper positifs, donc je suis vraiment content de cette année 2020 et j'ai hâte déjà d'être à 2021. La bonne nouvelle c'est que cette année j'ai un mariage le 16 janvier, donc la saison des mariages 2021, bah c'est bientôt, yay! Si mon style vous intéresse et que vous vous mariez en 2021, et bah il y a encore quelques places de dispo, pas grand chose, en 2022 là j'ai plus de places de disponibles, donc voilà, si vous êtes vous mariez bientôt et que vous aimez bien mon style, pensez à me contacter pour qu'on puisse discuter. C'est tout pour cette vidéo traditionnelle de la fin de l'année, pensez à vous abonner à la chaîne bien sûr pour pas rater les prochaines vidéos, pensez aussi à me suivre sur Instagram, que ce soit mon Instagram perso et mon Instagram pro où je poste mes photos de mariage si vous aimez ce genre de photos. Un petit pouce bleu et un petit commentaire sous la vidéo, merci à mon pote Stan pour la musique, t'es un amour mon pote, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!